One, two, three. One, two, three. Dixième étalon, donc, c'est Picsou de Villabon. Picsou de Villabon qui fait la montre au rat du loisir à 1800 euros. Poulain vivant. Chez Daniel et Christophe Burlin. Il est gagnant de groupe 1. Picsou de Villabon, il avait marché une 10 au monté et une 12 à la clé. Il avait gagné groupe 1, donc c'était dans le prix de l'Île-de-France. Au monté, donc sur courte distance, sur la grande piste de Vincennes, sur 2175 mètres. C'était en 2011, il marchait à l'occasion une 19, et c'est d'ailleurs le record de la course du prix de l'Île-de-France. Le prix de l'Île-de-France, c'est d'ailleurs un groupe 1 depuis l'année 2011, donc. Avant, il était groupe 2, évidemment. D'ailleurs, en parlant de groupe 2, Picsou de Villabon est lauréat de groupe 2, 4 reprises à Vincennes, dont prix dans l'important prix Reynolds. Il est 11 fois dans les 3 premiers de groupe à Vincennes et à Enghien. Et bah, il avait détenu longtemps le record des 2200 mètres montés à Vincennes. Alors, sa première production a bien été accueillie, c'était en 2009, sa première année monte plutôt. Donc, les premiers produits sont des A, qui sont nés en 2010. Compte une bonne moyenne de gains par produit, 23 000 euros, pour être tout à fait précis. Et sachez que plus de 50% de ces produits sont qualifiés déjà. C'est père d'Akhenaton, farmé à Angre. Et la première année monte à Lignières et une année monte en Normandie également pour ce Picsou de Villabon qui est donc disponible au rat du loisir au tarif de 1 800 euros, plein vivant.